Aujourd'hui, on se retrouve pour une des dernières vidéos confinées. Mes cheveux n'en finissent plus de pousser et on va parler de virilité. Quel est le premier devoir d'un homme? Subvenir aux besoins de sa famille. On a toujours une famille. Ils seront toujours votre priorité, votre responsabilité. Il le fait, même s'il n'est pas apprécié, ou respecté, ou même aimé. Il ne se laisse pas abattre, il supporte et fait ses devoirs parce que c'est un homme. Et je crois qu'avant même de commencer, il faut rappeler fondamentalement ce que c'est que la masculinité. Parce que c'est pas pour rien si ça fait plus de 2000 ans que dans toutes nos œuvres on a des modèles virils. Parce que j'entends d'un côté que ce serait la valeur suprême, et de l'autre, je l'entends des histoires de masculinité toxique. Je crois qu'il y a une erreur, il y a une erreur même d'appréhension de cette notion. La féminité et la masculinité, c'est comme deux pôles énergétiques dans une société qui vont l'équilibrer et l'harmoniser. Y a pas de question de bien-mal là-dedans, c'est pas un jugement qu'on a à avoir. La masculinité et la féminité, ils sont pas à mettre en concurrence. C'est deux choses qui se complètent. Et elles se complètent tellement bien qu'elles donnent la vie. C'est te dire le degré de miracle qu'il y a dans cette complémentarité. Et pourquoi j'insiste sur la notion de virilité intérieure, ou en tout cas qui part de l'intérieur, plutôt seulement parler de l'apparence virile. Ça irait quand même plus vite de copier ce qu'on voit, tu vois, chez n'importe quel mâle alpha que tu vois dans des films, et de faire pareil. Pour moi, il y a deux raisons. C'est que, déjà, l'apparence ne suffit pas. C'est-à-dire que la virilité, elle n'est pas seulement à un niveau individuel. C'est-à-dire que la virilité, au niveau individuel, c'est très bien, tu vois, pour plaire à des filles, pour pas te faire emmerder, tout ce que tu veux. Mais elle a surtout une importance au niveau de la société. Et voilà, un petit peu comme je suis. Et pour illustrer ça, je te raconterai une histoire à la fin de la vidéo. Je pense aussi que la masculinité, ça fait partie des choses qui se ressentent plus qu'elles ne s'observent. C'est assez intuitif. Si tu commences juste à bomber le torse, à faire des monodiètes de steak et à imiter les mecs que tu vois dans les films, tu vas juste foutre tes potes en soirée mal à l'aise, c'est tout ce que tu risques. Et l'idée de cette vidéo, c'est juste de passer la torche de la connaissance des anciens. En vrai, moi j'ai aucune légitimité et tout est déjà écrit. C'est pour ça que je vais te parler de ces trois auteurs qui ont très bien mis en lumière des notions qui sont intéressantes dans la virilité. Et ça commence tout de suite avec un des premiers auteurs que j'ai lu, c'est Marc Aurèle. Et avec Marc Aurèle, il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'en fait, là à Nice, j'ai pas l'exemplaire physique des pensées de Marc Aurèle, dans lequel j'ai toutes mes petites annotations et où j'aurais pu retrouver les phrases les plus légitimes pour cette vidéo. Mais en fait, pas besoin, parce que là, j'ai juste chopé le PDF et tu vas à n'importe quelle page et t'as du bon sens. Les pensées de Marc Aurèle, c'est un truc qui est rempli de bon sens. Et je vais t'en lire juste une comme ça. Il est honteux que, dans le temps où ton corps ne se laisse point abattre, ton âme, en ce même moment, se laisse abattre avant lui. C'est le genre de truc qu'à écrire et à méditer, vraiment. Et j'aurais pu choper n'importe quelle autre page et trouver des trucs aussi pertinents, vraiment. Je t'incite à mort à lire les pensées de Marc Aurèle. Ensuite, on va parler d'un auteur qui est beaucoup moins ancien, mais il n'empêche qu'il est très ancré dans le monde de la tradition. Et que, justement, lui aussi, il passe la torche. Et cet auteur-là, il s'appelle Julius Evola, il a écrit « Chevaucher le tigre ». Et la notion qui m'intéresse là, c'est l'action sans désir. Ça se passe page 88. Il faut agir sans avoir égard aux fruits, sans tenir pour déterminantes les perspectives de succès ou d'insuccès, de victoire ou de défaite, de gain ou de perte, non plus celles de plaisir ou de douleur, d'approbation ou de désapprobation d'autrui. On a aussi appelé cette forme d'action l'action sans désir. On peut encore parler ici de faire ce qui doit être fait. Et sur l'autre page, il y a une métaphore que je trouve pas mal. Être entier dans le fragment, droit dans ce qui est courbe. Vraiment, cette notion d'agir sans avoir égard aux fruits, je crois que c'est assez important. Ça fait partie des écrits qui, surtout quand t'es jeune, sont durs à suivre à la lettre. Mais je trouve que ça indique une bonne direction déjà. Et le troisième penseur, tu t'y attendais forcément, c'est mon petit préféré, c'est Nietzsche. Et pour Nietzsche, j'ai choisi Généalogie de la morale. Je vais t'en donner deux, puisque c'est Nietzsche. Nous nous portons au terme de ce formidable processus. Là où l'arbre finit par produire ses fruits, où la société, avec sa moralité des mœurs, finit par exposer au grand jour, en vue de quoi elle n'était que moyen. Ce que nous trouvons, le fruit le plus mûr que porte son arbre, c'est l'individu souverain. Celui qui n'est pareil qu'à lui-même, celui qui s'est dégagé de nouveau de la moralité des mœurs, l'individu autonome et surmoral, car autonome et moral sont exclusifs l'un et l'autre. Bref, l'homme doué d'une volonté propre, indépendante, longue, qui a le droit de promettre.
C'est là que c'est intéressant. Finit par s'incarner en lui une véritable conscience de sa puissance et de sa liberté, un sentiment d'accomplissement de l'homme en général. Cet homme, devenu libre, qui a réellement le droit de promettre, se mettre à la volonté libre, ce souverain. Et il me semble qu'il y a une autre page qui est intéressante, qui donne sa parole comme une chose sur laquelle on peut compter, parce qu'il se sait assez fort pour la tenir, même face aux accidents, même face au destin. Encore une notion très intéressante que... Je dirais que c'est ça la racine de la confiance en soi. C'est être un du moment où tu promets jusqu'au moment où tu agis. Et c'est en ça que tu as le droit de promettre. Et ça, tu vois que, individuellement, certes, ça peut te mettre dans la merde, mais à l'échelle d'une société, c'est sain. Et un autre cadeau, page 84. Il savait également, en homme entier, saturé de force, donc nécessairement actif, ne pas séparer le bonheur de l'agir. Tout cela en opposition marquée au bonheur caractérisant le niveau des êtres dénués de puissance, des opprimés, suintant de sentiments venimeux et hostiles, chez qui il se présente essentiellement sous forme de narcose, d'engourdissement, de calme, de paix, de sabbat, de récréation du cœur et de relâchement des membres, bref, de manière passive. Je crois aussi que cette notion de passif et actif, il faut méditer dessus. Et la notion de bonheur qui va de pair avec le fait d'être actif. Bon, évidemment, c'est des auteurs que je te recommande. Pour le coup, assez étrangement, Marc Aurèle, qui a écrit vers 160, est bien plus compréhensible que Julius Evola. Julius Evola, si tu veux, ça met vraiment du temps à être compris, beaucoup plus que Nietzsche. Ça, c'était pour les conseils de lecture, et maintenant, on va parler de la manière dont la virilité est traitée dans ce monde moderne. Tu sais, dans mon entourage, je connais des féministes, et elles perçoivent la masculinité un peu différemment des auteurs dont je viens de te parler. Elles la voient comme un problème, et elles englobent en disant « le problème, c'est d'une manière générale la masculinité ». Ces meufs, en général, elles se font emmerder dans les transports en commun. Et ça, je suis pas du tout là pour le nier. Tu sais, j'ai habité dans le nord de Paris et j'ai vite compris qu'en fait, non, à cette station-là, tu ne donnes pas rendez-vous à une fille. Et encore plus si t'es en retard. Mais je suis pas d'accord avec le fait que la masculinité, d'une manière générale, c'est un problème. Il faut distinguer différents traits de la masculinité. Et pour ça, je vais te raconter l'histoire de Marin. Marin, c'est un jeune Lyonnais. Il me semble qu'il est étudiant en droit. Et ce soir-là, Marin, il était sorti avec sa copine à Lyon. Et il tombe sur un couple qui se faisait emmerder par de la racaille que tu connais très bien si t'habites dans une grande ville française, parce qu'ils étaient en train de s'embrasser. Et c'est là que Marin est intervenu pour aider ce couple qui se faisait emmerder. Il fait en sorte que les agresseurs leur foutent la paix. Et un peu après, quand il va rentrer dans le bus, ces mêmes agresseurs vont le suivre, l'attaquer dans le dos, et finir par le tabasser et lui mettre des écrasements de tête avec une béquille. Un truc assez violent. Il me semble qu'ils lui ont fendu le crâne et ils l'ont laissé comme ça pour mort. Cette histoire-là, ça fait 2 ans, et l'agresseur principal, normalement, il va bientôt sortir de prison. En fait, là, tu vois le problème d'amalgamer la masculinité. On en a 2 expressions très différentes. L'une, plutôt accompagnée de lâcheté, et l'autre de bravoure. Et pour ce qui est de Marin, rien ne l'obligeait à intervenir. Marin, ce qu'il a fait, c'est pas une simple manifestation ou un post Instagram, qu'on se mette bien d'accord. Marin, aujourd'hui, il est paraplégique. Des mecs qui se disent féministes, il y en a plein la capitale. Et s'ils agissaient tous comme Marin, ça se saurait. Les transports parisiens seraient beaucoup plus sûrs. Mais bon, ça coûte moins cher de s'afficher comme moralement supérieur sur les réseaux sociaux que de finir comme Marin paraplégique. Je pense qu'on peut tous avoir une pensée pour Marin, et je te dis à la prochaine fois.